de gens ne se souviennent pas de Dieu. Ils attendent des moments compliqués pour devenir spirituel. Qui aime la paix prépare la guerre. Je vous ai dit et répété, la vie n'est pas un terrain, la vie est un champ de bataille, et le bataille se prépare avant qu'elle n'arrive. Tu n'attends pas le jour du match pour aller faire des performances. On s'entraîne avant. Parce que la vie est un champ de bataille. On se prépare tous les jours. Je vis les gens en face des batailles. Et je savais qu'il ne gagnera pas sa bataille. Il est enfant de Dieu. Né de nouveau. Mais la bataille est au-dessus de sa force. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu pendant les temps normal. La bonne volonté, pasteur Léon, ne suffit pas. On ne gagne pas une guerre parce qu'on veut la gagner. Si la bataille s'est élevée à ce niveau et que toi tu n'as pas eu le temps de te préparer, parce qu'il y a deux batailles qui sont au-dessus de vos forces. Pas parce que Dieu veut que ça soit au-dessus de vos forces, parce que vous avez traîné à vous équiper, à vous élever. Pour les batailles dans la vie ne vous préviennent pas lorsqu'ils viennent. C'est pourquoi tu vois des militaires font faire des manœuvres militaires. Il n'y a rien, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de. Mais ils font des manœuvres militaires. Ils montent des scénarios de guerre, comme s'il y avait une guerre. Parce qu'ils aiment la paix. Prépare la guerre.